Alors, on va essayer de le poser. Bien. Le numéro 8, donc, Freelance, présenté par André et Lisbeth Ducot, qui nous viennent de Pégole, dans les Pyrénées. Un fils de gnome et friteuse, par Kanger Jolie. Donc, nous, on en a parlé il y a quelques instants en ce qui concerne le niveau précédent. En champion, gnome, grand étalon, père de Beautyland, flingué, et ragtime, pontado, lui-même un étalon extrêmement prometteur. Et la mère friteuse, par contre, Gingerjolie, qui est une grand-mère par Ferryland, le Northern Dancer de l'Anglo-Arabie, Ferryland. Eh bien, elle était classique puisqu'elle a remporté la poule d'essai des Anglos à 37,5 à Mont-de-Marsan et elle a pris donc, plusieurs places. On va peut-être pas marcher. Elle a plusieurs places donc au niveau classique. Et c'est la sœur de Freelance. Frilo étalon lui-même, Freeboard. Et c'est la famille, sous la quatrième mère, de Ferdinand, qui fut un authentique champion, que ce soit en plat, mais aussi en obstacle. Voici donc le deuxième produit de friteuse, classique, lauréate du prix d'essai des Anglos à 37,5 à Mont-de-Marsan. Je n'ai pas précisé que Freelance porte un pourcentage d'Anglos de 37,72% et il est né le 8 avril. Et je ne vous ai pas dit non plus que c'était le deuxième produit de friteuse. On va pouvoir le voir au trot immédiatement. Allez, on enchaîne au trot, s'il vous plaît, merci. Puisque Friteuse a donné déjà naissance à Freeman, un fils de Haza, qui compte une victoire cette année. Friteuse, vous aurez reconnu vous-même le jeu de mots, ai-je besoin d'en rajouter